Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivrez. J'ai comme invité aujourd'hui Jésus-Noël Chéquet. Il est dans le domaine de l'audiovisuel. C'est là que je l'ai connu, c'est là que nous nous sommes connus. Il m'a appelé pour participer à cette campagne pour chasser la pauvreté. Monsieur Jésus-Noël Chéquet, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, monsieur Kimambi Chintra. Très heureux lorsque j'ai reçu votre coup de fil pour demander si vous pouviez venir participer à cette émission. Merci vraiment de vous arrimer à cette campagne parce que il faut vraiment frapper l'imaginaire de nos compatriotes afin que nous puissions avoir des grosses ambitions. Vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait, mais offrez-moi d'abord l'occasion et l'opportunité de vous féliciter et de saluer ces combats volontaristes que vous aviez décidé seul de mener contre la pauvreté dans notre pays qui est devenue quasiment congénitale. Mais c'est aussi un grand honneur pour moi d'être reçu par le très très grand Kibambi Chintoa. Oh, il ne faut pas exagérer. Oui, le très très grand Kibambi Chintoa. Vous êtes resté ces grands baobabs, ces grands modèles, aussi bien dans le domaine de l'audiovisuel. Et aujourd'hui, vous êtes celui qui s'est donné comme ambition faire la guerre contre la pauvreté. Merci. Il paraît que refuser les éloges, c'est chercher à les avoir deux fois. Alors c'est pour ça que très modestement, j'ai accepté les éloges. Oui, mais c'est vrai que j'ai observé notre société, je me suis rendu compte que le Congolais était plutôt résigné, alors qu'il est temps qu'on puisse lui administrer un coup de fouet pour qu'il se réveille. Les autres viennent, ils s'enrichissent, nous travaillons pour eux et nous restons, nous demeurons pauvres, ils repartent dans leur pays. Non mais Jésus, franchement, c'est une situation qui ne pouvait pas continuer. Elle est intolérable. Il faut que le Congolais s'arrime au développement, d'abord lui-même, qu'il se dise, c'est pas normal que vivant dans ce pays, je demeure pauvre. Je crois qu'il faut commencer avant tout de situer les problèmes au niveau de l'homme congolais pour quitter les congolo-pessimistes pour atteindre les congolo-optimistes. Pourquoi je l'ai dit? Parce que nous nous sommes accommodés à la pauvreté. C'est devenu notre seconde nature. Parce que naturellement, les Congolais ont perdu de l'ambition. Et aujourd'hui, les combats que vous êtes en train de mener, combats auxquels j'ai souscrit aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les Congolais lambda puissent retrouver au départ de l'ambition. Comprendre que il est légitime de prétendre à la richesse, de comprendre que l'accès à la richesse n'est pas un jeu pour un cercle restreint. Il faut qu'on arrive à comprendre que la richesse, c'est un jeu ou c'est un monde dans lequel tout Congolais peut y prétendre. Mais pour ça, il y a des conditions. Et pour y arriver, un des éléments que j'ai retenu d'ailleurs en suivant vos dernières émissions consacrées à cette croisade contre la pauvreté, c'est que au-delà de ces manques d'ambition, nous sommes dans la peupriste, ce qui ne permet pas de pouvoir rentabiliser les efforts que nous engageons tous. L'apeuprisme, c'est-à-dire? C'est-à-dire, je vais prendre un exemple.
puisque votre émission elle est beaucoup plus pédagogique, je souhaiterais également procéder avec des exemples. Aujourd'hui, quand un Congolais produit un service, c'est même pas une impression, on est en face d'un service quasi fini. Nous souffrons de la finition en ce qui concerne les services. Nous souffrons également du sérieux en ce qui concerne les respects des engagements. Et ce qui fait en sorte que quand vous produisez un service, vous n'êtes même pas en mesure de fixer un prix. Tenez, qu'est-ce qui peut justifier aujourd'hui quelqu'un qui produit un meuble, qui part d'un prix de 1000, après discussion, il accepte de prendre 300. C'est-à-dire qu'il y a un problème. C'est-à-dire déjà au départ, nous ne sommes même pas conscients des éléments que nous injectons pour arriver à produire un travail. De l'investissement que nous avons mis dans ce travail. Nous minimisons même nous-mêmes l'investissement que nous consentons pour arriver à produire un travail. Ce qui fait aujourd'hui que même les travaux que vous produisez, quand vous lancez une campagne, vous produisez vos programmes, et quelqu'un peut risquer de vous dire, mais attends, et là, on n'y a pas sali, on n'y a pas de lobby. Donc, la personne ne se rend même pas compte de l'investissement intellectuel que vous avez mis dans un travail pour arriver à en produire un travail fini. Peut-être que, aussi, parce que c'est la prisme, peut-être que nous n'investissons pas suffisamment d'efforts. Oui. Parce que si vous partez de 1000 dollars pour vous faire, pour qu'on en arrive à 300 dollars, il y a un problème. Il y a un problème simplement parce que vous ne savez pas aujourd'hui quantifier cet apport immatériel que des fois vous mettez dans ce que vous produisez. Et quand vous calculez, vous vous limitez à calculer ce que ça vous a coûté un morceau de bois, ce que ça vous a coûté les clous, mais vous ne quantifiez pas l'intelligence que vous avez injecter pour arriver à produire. C'est ce qui fait que, je vais vous donner un exemple, il y a quelques années ici dans ces pays, j'étais quelque part où on produisait. On devait participer à la réhabilitation d'un bâtiment public et il fallait placer des portes en bois. Il était impossible de trouver localement des Congolais en même de vous produire des portes en bois, en série, identiques, avec la finition convenable. On devait faire venir des Malaisiens ici non. pour faire ce travail, pour arriver à avoir de la qualité. Que peut justifier aujourd'hui l'envahissement du secteur de meubles dans la ville de Kinshasa avec les meubles importés, alors que nous avons tout localement pour produire de meubles de qualité. Mais c'est la finition qui pose un problème. C'est la finition qui pose un problème. Donc nous sommes très apeupristes dans ce que nous rendons comme service. Nous sommes tous résolus à un peu comme du toléka. Comme disent nos mamans, lambalelo, disons bukalelo, lambalelo, c'est-à-dire, nous sommes dans le domaine de l'audiovisuel, je peux vous donner un petit exemple. Qu'est-ce qui peut justifier, pour un reportage d'une minute trente, par exemple, de retrouver des images qui se répètent par deux, trois, quatre fois? C'est la paresse professionnelle. Parce que on n'est déjà pas au départ motivé à faire quelque chose d'excellent. C'est-à-dire, le premier élément à injecter dans le Congolais, c'est l'excellence. Le travail très bien fait. Parce que il y a plusieurs niveaux de travail. Il y a le travail que vous pouvez faire vraiment à peu près. Mais il y a aussi le travail bien fait. Mais il y a le travail très bien fait. Fignolé. Oui. Et ce travail fignolé nécessite de l'investissement, aussi bien en temps, en énergie, en intelligence et en moyens. Ah oui, parce que soi-même, on doit
arriver à s'extasier devant ce qu'on a fait. Voilà. Se dire, tiens, c'est moi qui ai fait ça. Et puis, je peux reproduire, je peux en faire 8. Parce que au-delà de ce que nous gagnons comme retour au revenu, il y a d'abord la satisfaction intellectuelle que le Congolais a perdu en produisant le travail. On rend le travail comme étant une tâche qu'on livre aux autres, pour lesquels on ne tire pas de retour. Mais alors, attention, oui, en rendant un travail, il y a un sentiment personnel de réussite, de fierté. Et puis il y a un retour, on dira, oui, c'est elle, c'est Jésus, voilà, Noël qui l'a fait. C'est comme ça que peu de Congolais arrivent à se distinguer. Donc, nous devons aujourd'hui, grâce à cette émission, commencer d'abord par interpeller les Congolais à retrouver de l'ambition et, au-delà de l'ambition, à se familiariser avec le goût du travail très bien fait, ce que vous appelez le travail fignolé. Oui. Arriver à tutoyer la perfection. On regarde, on se dit, ça c'est moi qui ai fait ça. Monsieur Kibambi, la perfection est possible. Elle est possible et elle est à notre portée. Il suffit de s'y mettre. Souvent, comme j'ai dit, Bukalelo, Lambalelo, c'est parce qu'on ne veut pas mettre assez de temps. On est pressé de rentrer chez soi alors qu'on n'a pas fini de faire ce qu'on était en train de faire. On est pressé de rentrer pour aller retrouver les loisirs qui du reste n'est pas mauvais. Mais il faut arriver, comme on dit, à lier l'utile à l'agréable. Et l'utile ici, c'est arriver à se battre chaque jour pour atteindre la perfection et quitter le monde de la célébration des succès passés. Je vais donner un exemple. Vous connaissez une journaliste rwandaise, Mukamabano, qui travaillait à RFI, au moment où nous avions de très très bons rapports entre les deux pays, rapports qu'on a retrouvés. Elle me dit, nous sommes à Paris, elle me dit, moi je ne peux pas me satisfaire de vivre au Rwanda, c'est un trop petit pays. Moi, j'aimerais bien me retrouver dans un grand pays comme le Congo. Et il m'a dit, mais il y a une différence entre les deux peuples. Je vous dis exactement ce qu'elle me dit. Il était 18h, nous étions à la maison de la radio à Paris. Elle me dit, si nous rentrons à cette heure-ci, 17h, 18h, à Kigali, à la banque centrale de Kigali, nous trouverons encore des jeunes gens qui continuent à travailler pour rattraper ce qu'ils n'ont pas fait pendant la journée. Et elle ajoute, mais si nous allons à Kinshasa, on ne trouvera personne. En fait, elle a déjà fait Kinshasa, mais elle ne connaissait de réputation. Et cette réputation nous poursuit. Je donne cet exemple à dessein pour que ça puisse nous choquer. Quand vous n'avez pas terminé le travail, quand vous ne l'avez pas encore complètement fignolé, au point de l'admirer en prenant un peu de distance, continuez. Tout à fait. Moi j'avais l'habitude de dire à mes collaborateurs, je préfère que nous passions la nuit au bureau pour terminer ce que nous avons à faire et je vous offre les jours prochains comme étant un jour de congé. Parce qu'on aura au moins la satisfaction d'avoir accompli quelque chose. Quand vous donnez cet exemple, ça nous interpelle pour revenir dans ce que je disais. On doit éviter déjà au départ de considérer le travail comme étant une corvée. Un travail doit, au-delà de son caractère rémunérateur, doit procurer de la satisfaction personnelle, cette fierté-là d'avoir accompli quelque chose et d'avoir participé à une œuvre collective. Pour autant qu'on n'atteindra pas ces niveaux d'engagement professionnel, nous ne serons pas en mesure de produire quelque chose. Pour autant que ceux qui travaillent, par exemple, à Numérica, vont penser tous les jours qu'ils travaillent pour M. Kibambi, on n'atteindra jamais, alors jamais, de la perfection. Alors que ce que vous produisez comme produit, le produit il est destiné au grand public. Et vous devez, vous, en retour, vous assurer d'une satisfaction
si vous avez un retour positif du travail que vous aviez réalisé. Regardez, par exemple, nous avons, nous vendons des planches dont on se sert pour nous ramener tous les meubles qui font la fierté de nos compatriotes. Oui, mais si nous étions habitués à cette perfection, eh bien, les visiteurs qui viennent ici, devant ce travail parfait, mais ils n'hésiteront pas à le payer. Et vous qui avez investi tous ces efforts, mais vous le vendrez cher. S'il n'achète pas, c'est son affaire parce que vous y avez investi votre intelligence, toute votre personne. Ce travail vous a coûté 3 semaines et 1 semaine d'admiration devant cette création, cette nouvelle création. Et il faut souligner un autre élément, c'est que la perfection appelle à une remise en question quasi quotidienne. Parce que vous devez être en mesure, non pas de célébrer vos réussites, mais à regarder vos réussites sous un autre angle, sous un angle d'amélioration, pour aller toujours de l'avant. Il suffit de voir les véhicules que vous avez connus lors des années 70, une Mercedes, mais 30 ans après, 40 ans après, qu'est devenue Mercedes? C'est-à-dire, ils auraient pu se contenter, quand on chantait à l'époque Asda et tout, VW, ce que ça représentait comme véhicule, mais ils auraient dû s'en contenter. Mais il y a une remise en question perpétuelle qui oblige, qui vous contraint à un travail perfectionné. Et ce qui fait de vous, au quotidien, chaque jour, un homme riche. Alors, ce qu'il faut éviter, puisque nous sommes dans ce domaine, c'est par exemple de prendre plusieurs commandes que vous ne pouvez pas terminer. Si vous êtes couturier, vous prenez 20 commandes, mais c'est le dernier jour, c'est au dernier jour que vous commencez à faire rapidement les choses. Eh bien, on ne vous paiera pas ce travail au juste prix. Il y a beaucoup de tailleurs ici ou des femmes qui font le même travail et qui vous disent « Oui, mais quand ils vont chez cette Sénégalaise-là, mais qu'est-ce qu'elle a de spécial ?» Oui, mais déjà vous dites « Elles vont chez cette Sénégalaise-là. » Ressembler à cette Sénégalaise-là, les gens viendront chez... Mais c'est ce que j'ai dit, M. Kibambi. Un travail bien fait, c'est un ensemble des choses. Si vous êtes couturier ou couturière, le travail bien fait, c'est au-delà, c'est un travail au-delà du simple tissu que vous manipulez. C'est un ensemble des choses. Ça me permet d'évoquer ce que j'ai évoqué au début de cette émission, le caractère sérieux et la crédibilité qu'on doit intégrer dans les affaires. Et là, ça me permet d'ouvrir une brèche pour parler de la formation professionnelle. Vous savez, considérant les opportunités qu'il y a dans notre pays, il y a un accent particulier qui doit être mis pour la formation professionnelle. Parce que avec la formation professionnelle, non seulement nous nous attelons à former des individus à la pratique du métier, mais on doit y ajouter également une bonne dose de management. Il ne faut pas trop aller dans des concepts beaucoup plus savants, mais un management beaucoup plus approprié à la compréhension du monde des affaires. Parce que ça ne servirait à rien de former un très bon menuisier, mais ne pas enseigner à ces bons menuisiers les bonnes pratiques d'affaires qui pourront s'avérer comme étant une valeur ajoutée dans les services à rendre. Les planches qu'il faut, telle planche, ça c'est du wenge, ça c'est du souci. Donc, apprendre tout ce qu'il y a autour. Tout ce qu'il y a autour. De ce travail. Donc voilà. Donc, la perfection reste quand même
la clé, un des éléments clés de la richesse. Regardez par exemple quand on parle, nous le disions avant de monter sur ce plateau, quand on parle du manganèse, nous au Congo vous vendez du manganèse, mais des écoles pour apprendre aux compatriotes, le manganèse sert à quoi? Dès que vous avez intégré tout ce contour, on parle maintenant du coltan, le coltan sert à quoi? Et tout ça, dès que vous vous appropriez tout ce savoir, à ce moment-là, vous pouvez consacrer le temps qu'il faut et la science qu'il faut pour faire de l'excellent travail. Mais c'est là que moi j'en appelle au recalibrage du système éducatif congolais, parce que le système éducatif congolais tel que conçu nous condamne à demeurer dans la pauvreté, nous oblige à tourner les dos aux multiples opportunités que notre pays nous offre. Tenez, vous parlez de nos minéraux. Comment comprendre aujourd'hui, nous ne disposons pas d'écoles, par exemple, qui peuvent former des Congolais, non pas des géologues comme nous avons, parce que la géologie, c'est simplement pour vous aider à mieux renseigner où peut retrouver une pierre, pour bien l'évaluer et tout. Mais on ne nous apprend pas ce qu'on peut faire avec de l'or. Pendant que nous sommes dans un pays ici où nous consommons de l'or à volonté. Tout le monde veut bien avoir une monture en or, une montre en or. Tout ce que vous pouvez prendre comme artifice en or. Mais nous n'avons pas d'école professionnelle adaptée pour former des Congolais. Ou même école spécialisée d'ailleurs. Des écoles spécialisées. Mais regardez les pays. Il y a des pays comme le Botswana, il y a du diamant, mais il est absolument interdit de vendre ce diamant brut. Le diamant est travaillé. Aujourd'hui, c'est un petit pays, dont l'économie est... Nous avons de l'eau, par exemple. Nous n'avons pas une école spécialisée aujourd'hui pour étudier les eaux. Nous n'avons pas des écoles spécialisées. On nous parle de deuxième poumon, bassin du Congo et tout. Mais attendez, nous n'avons pas des écoles spécialisées pour capitaliser. Là, l'interpellation à l'endroit du pouvoir public, pour qu'il ait plus que temps, pour que l'État puisse se prononcer en faveur des politiques publiques adaptées aux ambitions, non seulement de l'État, mais pour nourrir les ambitions des individus congolais. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui penser développer une ambition autour de l'or, du manganèse, du cuivre, du cobalt, si nos enfants ne savent même pas à quoi servent ces minéraux. Ah oui, c'est exactement quelqu'un qui se promènerait avec de l'or plein les... mais qui les vendrait à 5 dollars parce qu'il n'en connaît pas la valeur. Tout à fait. Donc, il y a un travail à faire sur ces plans-là pour réveiller l'ambition dans les Congolais, les jours qu'on aura de l'ambition, couplé à ce que nous avons invoqué comme les travails bien faits, la perfection, les sérieux et tous les managements qui accompagnent, nous atteindrons un des objectifs. Cher ami Jésus-Noël, je vais vous laisser le dernier, le mot de la fin. Si vous ne l'avez pas, on peut conclure. Mais j'ai aimé une chose que vous avez dite, ne pas considérer le travail comme une corvée. Comme une corvée, mais comme la participation. Quand un travail est bien fait, vous êtes satisfait parce que vous avez produit quelque chose, que vous avez sorti de votre intelligence, de vos tripes, j'allais dire. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Puisque vous vous gêniez à donner le dernier mot, ben je vous voilà, vous l'avez, je crois. Voilà. Ce que je voulais dire comme dernier mot, peut-être ça va ouvrir également une brèche pour une prochaine rencontre, si vous m'en ferez l'honneur. C'est pour dire qu'il ne suffit pas aujourd'hui simplement de limiter la question de pauvreté
au seul individu congolais qui représente les premiers facteurs du problème, mais il faut également l'étendre pour élever également l'implication du pouvoir public, la responsabilité du pouvoir public. On sait que le pouvoir public doit doter les pays des politiques publiques dans chaque secteur de la vie publique. Parce que les politiques publiques se présenteront en ces moments-là comme étant un plan architectural beaucoup plus global, où chaque pierre posée en termes d'action et d'activité devront concourir à la réalisation de l'édifice. Merci beaucoup. Je ne voulais pas englober tout cela dans cette première, ces premiers actes de la campagne, parce que les gens risquent de dire « Tiens, c'est à l'État ». Je voulais commencer par l'individu congolais et puis terminer par la responsabilité de l'État. Merci quand même de l'avoir signalé. Je vous inviterai pour que nous fassions une émission en Lingala, puisque vous êtes quinois, que vous parlez mieux que moi cette belle langue. Merci, Jésus Noël Cheke, et très prochainement, vous serez notre invité. Et vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si vous avez des expériences, eh bien, venez nous les montrer, les présenter au grand public, afin que demain, nous puissions, en partageant ces connaissances, dormir du sommeil du juste, sans craindre que quelqu'un viendra me prendre l'argent que j'ai. C'est en partageant cette richesse qui est d'abord intellectuelle avant d'être autre chose que justement nos enfants pourront dormir comme dans un rêve et se réveiller sans crainte d'être volé ou d'être attaqué. Merci et à la prochaine.